Jésus. C'est la veille qu'on vous demande. Mais ils ont oublié une chose. Alors, vous savez qu'il y a un problème. Personne ne va me demander ce qui passe. Ça n'a l'air qu'à changer tout. Alors, vous allez voir ce qui passe. Ça n'a l'air qu'à capable. Alors, vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Oh, yes, Lord.
Na bajan de prière, ma bolo monase, Zelaya magasin, paya de la paix. Le 27 avril, je me rappelle encore. Je me rappelle encore. Papa n'a pas les souhaits. Ton outil n'a pas mon sida. N'a pas veillé. N'a pas retraité. Kouloukaye. N'a pas jeune de prière. N'a pas le menacé. C'est là y a de la paix. Et y a magasin. Jésus. Viens mon amour. 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 Alléluia. Ce qui m'a natali, bisika de outi, a bisika de konye betsa mololo. Na ya bisayo, mousa papa, bisoumbi na ama, elika ya la victoire. Yahweh, Is it a man? I am all the way out of the country.
Abba, Papa, only my mom wants to have a good one. Yes, it's a little, yeah, yeah. 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 La victoire que Nakali Bosso. Il était séparé la victoire. Jean-Guy Sayo était séparé la victoire. Eh, la victoire que Nakali Bosso. Il était séparé la victoire. La victoire que Nakali Bosso. Il était séparé la. Oh, ya, ya, yes, ya, ya, yes, ya. Ah, te yamba. Oh, te yamba. C'est que le monde est mon c'est que le monde est mon âme. Oh, il y a combine là, mon sang c'est là. Il n'y a pas la pitié, il y a combine là, il y a combine là. On est là pour tous les pémats à voir. Yes, on est là. Aïe! Merci. Tanzambe yo mosubie yelele ah tanzambe na lola yo mosubina bana tanzambe na lola yo mosubina nga milolo 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 okay. Tatanzambe yo mosuginanga Nakotiko bangate yo mosuginanga Nakotiko lenga lenga te yo mbadelinanga Oh tatanzambe yo mosugia la victoire Oh, tatanzambe na lola, yo mosuginanga. Oh, tatanzambe na lola, yo mosuginanga. Ata pasi ateliwe. Ata pasi ateliwe. Iye lele ye. Ah. Eya na butu eya na moye Eya na butu eya na moye Iye lele ye Boko simba Yesu makasi era zali zela Eko me mabandi mina likolo Simba ye Iye lele ye Iye lele ye Oh mama simba Yesu makasi ye azali nzela Eko me mamba ndimi na likolo Simba ye Yesu makasi ye azali nzela Kolemba te Ndimi na likolo
Oh papa si ma yes ma kasi ye azalinzela Le gombe ma bandini na likolo Si ma ye Ma yes ma kasi ye azalinzela Le gombe ma bandini na likolo Oh si ma yes ma kasi ye azalinzela Le gombe ma bandini na likolo Si ma ye Lola tokokona, tokokona. 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 Oh, na lola tokokona, Hosanna moyo wani, Hosanna Hosanna moyo. Hosanna moyo wani, Hosanna moyo wani. Obina kawa pie. Okay.
Makasi, makasi. Nami lolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Papa pour Yahweh. Pourquoi les lots? Parce qu'il est merveilleux. Pour Azamalamo. Il nous a fait grâce et nous ce soir. À sa mission Golou, il y a beaucoup de personnes à Pourquoi les lots. Et je bénis l'homme de Dieu qui est au milieu de nous. Et papa pour le monde pour la colo, au Azélon, pour la mission. Et n'a pas molio, bien ça qui c'est bon. Que Dieu te bénisse. Ça n'a pas molé. Que Dieu aille à moi. Pour qu'il y ait des bons sons. Mais quand. Et pour toi, les camarades, ils sont. Ils ont fait ça. N'a pas molé, ils sont. Amen. Amen. Le grand terme. Et pour toi, les camarades, ça qu'on est. Parlons sur la grâce du livre. Donc, nous sommes dit dans la molou, il y a coucou. Nous avons dit ceci. Nous avons dit boy. L'auteur. Mon commis. De chaque livre. Il y a beaucoup de gens. Lorsque une personne écrit un livre, il est d'un objet d'avoir un auteur. Et c'est quel plaisir d'avoir un commis. Et voilà même dans nos vies chrétiennes. Tant bien que mal nous cherchons l'Éternel. Tant bien que mal nous entrons dans la présence de Dieu. Nous devons mettre en tête que l'Éternel est l'auteur de nos livres. Donc cela m'a son bien. Amen. Amen. Sans les habiletés.
Alléluia. Amen. Parce que dans la vie chrétienne, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'il y a un problème qui s'avance, dans la vie d'une personne, la personne cède facilement. J'avais dit ceci le premier jour. J'avais dit le premier livre. C'est toujours Dieu qui l'écrit. J'ai donné à l'instant l'exemple de la vie. L'Éternel a envoyé Samuel. Il dit Samuel va et oint David. Et après que cette opération y passait, David n'était pas entré au même instant dans son trône. Il est rentré dans la forêt pour attendre les seconds livres. Alléluia. Or dans les premiers livres, l'homme doit faire l'histoire avec Dieu. Lorsque nous faisons l'histoire avec Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous faisons l'histoire avec Dieu, il ne faut pas regretter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé. Il y a beaucoup de gens qui couraient bien. Mais lorsque la souffrance s'élève, lorsque les problèmes s'élèvent, lui-même se sent comme si son Dieu qu'il prie est incapable. J'avais dit ceci le premier jour. Lorsque l'Éternel écrit, il écrit. Parce que la grandeur d'une personne n'est pas dans le premier livre, mais la grandeur d'une personne, c'est dans le second livre. Et voilà pourquoi la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus forte que la première. Pour dire quoi? La première maison, ou dans la première maison, il y a toujours des difficultés. Il y aura toujours des incompatibilités. Il y aura toujours des problèmes qui te suivront. Mais dans la seconde maison, sachez que l'histoire changeait. Et j'avais dit ceci. Dans 1 Samuel, on raconte l'histoire de David. À partir de 1 Samuel 16, on raconte l'histoire de David par rapport à son premier livre. Mais dans le livre de 2 Samuel, on nous parle maintenant de David qui n'est plus dans la forêt. David qui quitte la forêt, qui est contraint. Qui est en train de rejoindre son second livre. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, que le Dieu qui m'a appelé, qui te fasse grâce, que tu entres dans le second livre de David. Je dis que le Dieu qui m'a appelé, qui te fasse grâce, que tu entres dans le second livre de David. Parce que le Seigneur, il veut écrire dans la vie d'une personne. Le Seigneur, il veut écrire ou il veut changer la vie d'une personne ce soir. La Bible dit dans 2 Samuel 2 verset 18, le peuple s'avança auprès des sacrificateurs. Il dit aussi aux sacrificateurs, maintenant c'est le temps de David. Établissez-le comme roi dans tout Juda. Non, si je déclare, comme aujourd'hui c'est la fin, c'est ton temps. Je dis ton heure a déjà sonné. Que le Dieu qui m'a appelé qui te fasse grâce. Je dis que le Dieu qui m'a appelé qui te fasse grâce. Et voilà pourquoi ce soir, je vais te dire, tu dois sortir dans les premiers livres. Je te dis ce soir, en tant qu'un homme de Dieu, tu dois sortir dans les premiers livres de ta vie. Le premier livre qui est lié au célibat. Le premier livre qui est lié à la souffrance. Le premier livre qui est lié à beaucoup de choses. Mais le second livre, il vient changer l'atmosphère de la personne. Le second livre, il vient changer l'atmosphère de la personne. Je déclare ce soir, si tu es là, au nom de Jésus, le Dieu qui m'a appelé, qui l'ouvre un second livre, le second livre de ta vie, que l'Éternel l'ouvre ce soir. Je déclare sur toi que cette grâce descende sur toi. Écoute-moi très bien, dans le premier livre, c'est l'histoire qui se rencontre. Lorsqu'on rencontre l'histoire, après l'histoire, c'est plus l'histoire. Après l'histoire, il y a le second.
ton livre. Je viens te dire ce soir, quel que soit ton problème, le Seigneur a la solution. Quel que soit ton problème, le Seigneur a la solution à ton problème. Toi qui me suis, je déclare sur toi, l'heure a sonné pour que l'Éternel te fasse entrer dans le second livre de ta vie. Tu dois te réjouir parce que David, il était roi et il est rentré dans la forêt. C'est pour cela l'orateur du vendredi a dit ceci: si tu veux devenir grand, la signification. Donc voilà, c'est le signe à mon amour. Que Dieu te bénisse. Ça m'a fait plaisir. Et la Bible continue. Lorsque ils ont posé la question à Jésus, d'abord, tout le monde m'a dit que Jésus lui a dit, et ça me fait plaisir. Et ça m'a fait plaisir. Et lui-même a taillé mon mot de Dieu pour que la gloire de Dieu. Et ça m'a dit, n'est-ce qu'un bon ensemble, c'est pour que la gloire de Dieu n'a dit dans quel mot soit révélé un jour. Et dans le monde, ça m'a fait plaisir. Écoute-moi très bien. L'éternel, Yahweh, il prend une personne à son nom dans un désert. Et la carte n'est pas révélée en Canaan. Jusqu'à ce que tu arriveras dans ton canon. Amen. Et la Bible continue. Il est la Bible. Amen. Maman, t'es. Et nous avons entendu que nous sommes bons, bon, 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 bon
Et je vois ton dépôt. Na moni keza je vois déjà le briser. Na moni bato kobuka yango. Et je vois on a pris tout. Na moni kozala pas une nyonso. Et tu étais vraiment, ça t'avait vraiment dérangé. Et ça qui te va pas si mec. Le Seigneur m'a dit prie beaucoup. Et c'est quand on tient mis ton dépôt. Et c'est quand on tient keza sous le magasin. Il y a des gens qui complotent contre ces dépôts. Et ça va bato kobuka basa na makati ambi la tina. Il sera ouvert.
les hommes qui ont les hommes. Amen. 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 Et la vie continue. Lorsque Jésus, dans les hommes qui sont en Dieu, avant le monde, la Bible dit, il a donné Jésus cacha. Il a pas qu'il soit, il cacha la vie. Avant qu'il soit nommé, cacha. Avant qu'il soit nommé, dans la vie. Dans la vie. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. D'accord, madame, le Seigneur est la seule personne. Attends, quand on va dire qu'on a des sous, qui a des solutions devant. Oh, ça y est, amen. 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 Le Seigneur est la seule personne. Attends, quand on va dire qu'on a des sous, ton père. Attends, papa, d'ailleurs. Même ta mère. Attends, maman, d'ailleurs. Le Seigneur est la seule solution. Attends, quand il y a un mot, tout est bon. Il y a un mot, il y a un mot. Si tu crois que tu es là, il y a un mot. Amen. Lorsqu'il a caché ce père, il a caché ce père. Avant qu'il s'en aille, c'est ton père là. Maintenant, il est en piétinant. On ne l'a mis en piétinant. Donnez la paix. Alléluia. Amen. Et en piétinant la paix. Maintenant, la paix. Je suis avec lui. Il est censé la guerre du secteur. Moi, lui, il y est, il est ici. Avant d'aller de la paix. Maintenant, à vous, t'en as. Maintenant, amen. Et comme son bonheur, le roi des Camerounais, il y a aussi à la paix. Et quand on a vu le roi il est né, abandonné, aveugle. Le roi de Jésus s'est dit, il est arrivé, il crachait sur la terre. Avant qu'il s'est arrivé, d'autres termes, la roi de Maman, il donne vie à la paix. Après si vous voulez la mabelle, donne vie, après si vous voulez la paix, la mabelle, pour changer. Le premier livre de la passion, et vous allez me faire la mabelle. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de faire? Amen. Oh, cette paix, qui était maudit? Oh, la canne à qui m'a dit, on ne peut même pas plus retenir notre Seigneur. Et vous allez venir le temps de la terre de la vie. Oh, cette paix, Dieu m'a dit, qui était maudit? Oui, la canne à ma qui était maudit? Oui, la canne à ma cet homme-là, m'a-t-elle, en lui-même, il se disait, il m'a dit, quel jour je viens? Vous connaissez ma colombe. Quel jour moi je viens? Vous connaissez ma colombe. C'est pour cela que je vais te répondre. Tu te poses toutes les questions à propos de ta vie. Et tu m'as dit, c'est un bon moment. Jésus est en train de passer. Ils ont dit, ça se fait. Ils ont dit, passer dans ton champ. 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 Oh, quand il a caché. Tu vas pas avoir dit ça. Ça saline. Seul voilà, il sort tous les abus. Et il a dit, mon amour, il tombe dans la terre. Et quoi qu'il m'a donné, il tombe dans la terre. Et quoi qu'il m'a donné, il dit à la terre. Alors, il m'a donné la terre. Il m'a donné, il n'a plus le pouvoir. Tu m'appelles, tu
Je ne vois rien dans le monde de l'homme.